Donc, le topo que je vous propose est intitulé « Chronique du verdissement métropolitain ». Il s'agit de voir en quelques minutes comment a évolué le rapport à la nature dans la région métropolitaine de Montréal. Il faut d'abord rappeler que sous l'Ancien Régime, donc jusqu'à la fin du 19e, 18e, début du 19e siècle, la nature est considérée, grosso modo, comme une menace. C'est un environnement qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est un environnement qui, au départ, en plus, est presque totalement méconnu. Et donc, la nature va prendre la forme de jardin, c'est-à-dire une nature qui est bien policée, qui est bien encadrée, qui est bien maîtrisée. Donc, ce sont des jardins, des grands couvents, des institutions, ou de certains membres de l'élite, comme le gouverneur de Montréal. Ces jardins vont disparaître pour la plupart d'entre eux au fur et à mesure où le bourg, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Vieux Montréal, va connaître un redéveloppement massif suite notamment aux améliorations apportées aux installations portuaires. Et à partir de ce moment-là, plusieurs des grandes institutions vont quitter le bourg au profit de la poche campagne et les terrains institutionnels vont être redéveloppés. Donc, les grands magasins d'entrepôt vont prendre la place de ces institutions et donc cette nature maîtrisée sous forme de jardin va disparaître. Par ailleurs, à côté des années 1840, ça débute au tout début du 19e, mais c'est surtout à partir des années 1840 que les Britanniques vont introduire le square, un aménagement qui leur est très familier, donc qui est au cœur des dispositifs urbains qui se développent en Grande-Bretagne, à plusieurs endroits, notamment en Écosse, dans la ville d'Édimbourg, on peut penser à la ville de Bath également. Et donc, c'est une autre forme de rapport à la nature qui est installée. Encore une fois, c'est une nature qui est maîtrisée, c'est une nature qui est contrôlée sous forme d'un aménagement très caractérisé, c'est-à-dire un espace vert planté, ceinturé d'une clôture et ceinturé d'un cadre bâti qui peut être résidentiel ou qui peut être institutionnel. Le square va être au cœur du projet de la New Town, c'est-à-dire cette banlieue résidentielle rapprochée qui va se développer par les élites écossaises de Montréal dans les années 1840 et va être transposée éventuellement du côté du Montréal francophone dans ce qui deviendra éventuellement le quartier latin. Donc là aussi, on va mettre au cœur de l'aménagement des espaces verts. Dans le cas de la Newtante, c'est notamment le Square Victoria, c'est le Square du Beaver Hall, c'est le Square Phillips et le massif terminatif, c'est le campus de l'Université McGill. Du côté de l'Est montréalais, du côté francophone, on aura le Square Vigée, on aura le Square Pasteur, le Square Saint-Louis et le massif terminatif, ça, le parc La Fontaine. Ces aménagements vont être à l'origine, dans les décennies qui vont suivre, de l'aménagement des grands parcs square. C'est-à-dire que le principe va rester grosso modo le même, mais la superficie mise sous végétation va être passablement plus importante. On trouve des exemples de ces parcs square, par exemple à Verdun, à Saint-Laurent, à Longueuil, à Saint-Lambert. Et donc, ça devient, encore une fois, un aménagement qui confère du prestige à certains environnements. C'est le genre d'environnement qu'on ne retrouve évidemment pas dans les quartiers ouvriers, dans les milieux populaires où les espaces disponibles sont rarissimes. Le principe du square va connaître une renaissance fin 20e siècle et au cours des dernières années. Ce sera au cœur notamment du projet Bois-Franc dans l'arrondissement Saint-Laurent. Et c'est au cœur aussi de la dernière mouture du quartier Angus, où encore une fois, on voit cet espace qui polarise un voisinage qui se veut plus prestigieux et donc un espace de verdure au cœur d'un aménagement urbain relativement dense. Par ailleurs, à côté des années 1850, on assiste à une évasion résidentielle de plus en plus marquée. C'est-à-dire que les membres de l'élite quittent de plus en plus le bourg, ce qui est le Vieux-Montréal aujourd'hui, qui a vu son environnement bâti se transformer radicalement à la faveur du développement des activités commerciales. Et à ce moment-là, il y a une forme de dégradation de l'environnement qui s'intensifie au gré des décennies, au gré de l'accroissement des vocations commerciales, des vocations reliées au port. Et donc, les élites vont avoir tendance à se réfugier, soit de manière saisonnière ou de plus en plus de manière permanente sur les glacis du Mont-Royal. Donc, dans la proche campagne, on va se placer dans des positions dominantes d'un point de vue paysager. Ça nous permet une appropriation
de la campagne, aussi bien en mode rapproché qu'en mode éloigné. On a une perspective notamment sur le Montérégienne. Et les environs des bâtiments sont aménagés de manière beaucoup plus libre que ce qu'on connaissait dans les jardins d'Ancien Régime. Et donc, c'est un nouveau rapport à la nature, un nouveau rapport à l'environnement, qui va aussi être à l'origine de la création des grands parcs de l'époque victorienne. Grands parcs dont le motif de référence est le jardin, le cimetière-jardin, qui sont aménagés à compter du début du 19e siècle en Amérique du Nord et dans le cas de Montréal, qui sont aménagés autour des années 1850. Et donc, le principe étant de bloquer des pratiques aménagistes qui étaient, d'une certaine manière, dans l'esprit du temps, contre nature, et de transformer justement des espaces qui connotent l'idée de grande nature en espaces aménagés d'abord pour le repos des morts et par la suite pour le plaisir des urbains. Et donc le Grand Parc du Mont-Royal notamment, va être une espèce de transformation du principe du cimetière au profit des populations. Dans le cas de Montréal, il y aura trois grands espaces aménagés de cette manière-là. Il y aura le parc La Fontaine, le parc de l'île Sainte-Hélène et le parc du Mont-Royal. Donc, ce sont les trois grands espaces qui participent de ce processus d'insertion de la nature en ville ou de ce processus qui permet d'aménager des espaces accessibles aux populations urbaines, surtout aux populations mieux nanties à l'époque, pour la régénération, pour le plaisir, pour la détente. Par ailleurs, les communautés religieuses continuent à l'époque à construire de grands ensembles conventuels. Ça va se poursuivre jusque dans les premières décennies du 20e siècle. Et ces grands espaces verts sont dotés, comme leurs ancêtres qu'on retrouvait dans le Beau, dans le Vieux-Montréal, de grands espaces paysagers qui sont distribués au pourtour des principaux bâtiments et qui jouent plusieurs rôles. On a des jardins de la parole, on a des jardins médicinaux, on a des jardins potagers et on a des espaces de mise en scène, notamment les parterres avant, qui permettent de bien affirmer la grandeur de ces ensembles conventuels. Et quand la ville va rattraper, quand la ville va absorber éventuellement ces bâtiments-là, évidemment, ce sont des écrins de verdure qui vont trôner au cœur des quartiers qui se façonnent au pourtour de ces grandes institutions-là. Cette pratique, elle est généralisée. On la trouve aussi bien dans les ensembles conventuels qui sont plus ou moins inscrits dans les quartiers anciens, à leur pourtour immédiat, mais aussi dans l'approche campagne. Donc, les communautés religieuses vont multiplier les implantations dans la région de Montréal, en milieu rural, et ce principe d'aménagement des abords des couvents va persister jusqu'au début du 20e siècle. Par ailleurs, dans les quartiers des élites, dans les beaux quartiers, on va aménager de plus en plus, à côté de la fin du 19e, début 20e siècle, des grands parcs de quartiers. On n'est plus tout à fait dans le registre du square. Le rapport entre l'espace vert et sa périphérie immédiate n'a plus la même intensité ou se décline plus de la même manière que dans le cas du square, mais ça reste des aménagements qui confèrent du prestige au voisinage immédiat. Ici, on a deux exemples de ce type de parc, le parc Westmont dans la municipalité éponyme et le parc Saint-Viateur à Outremont, qui intègrent des éléments de la géographie physique, notamment les étangs qui sont des vestiges de cours d'eau et qui confèrent, comme je le disais, un prestige certain aux environnements qui les jouxtent. Les grands parcs vont connaître une autre vague dans les années 1910 et ça se poursuivra jusque dans les décennies d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc des parcs qui sont des dimensions encore supérieures, qui desservent non pas des voisinages dans ces cas-là, mais qui desservent de vastes pans de la ville qui sont vraiment des parcs à caractère métropolitain. C'est le parc Maisonneuve dans l'est de Montréal, aménagé en 1910, on parle d'une à peu près 80 hectares. C'est le parc Angrignon dans l'ouest, dans le secteur La Salle-Verdun, 1920, 97 hectares. Et plus récemment, sur la rive sud, à Longueuil, c'est le parc Michel-Chartrand, 1987, avec 185 hectares de superficie.
Dans les années 1940, il y a beaucoup de travaux qui sont menés à la Ville de Montréal, au service d'urbanisme nouvellement créé, où on s'interroge sur plusieurs aspects de l'encadrement du développement de la ville. Et notamment, dans un dossier sur l'urbanisation de Montréal, on va porter une attention particulière aux espaces verts et on va introduire une notion qui va revenir à quelques moments par la suite, c'est-à-dire une approche en réseau. À la Ville de Montréal, on réalise qu'il y a des déficits importants d'espaces verts, qu'il faut combler ces déficits des espaces verts de différentes natures, de différentes qualités, de différentes superficies. Mais on réalise également qu'il y a un potentiel de mise en réseau de plusieurs de ces espaces-là, dans la mesure où l'urbanisation est encore relativement confinée dans le cœur de l'île. Et donc, il y a moyen d'interconnecter un certain nombre d'espaces. Il y a moyen également de créer des espaces verts linéaires qui deviennent des cordons et qui anticipent notamment nos préoccupations sur la continuité des espaces associés à la biodiversité. Le plan Grébert de 1950 reprend en quelque sorte ce motif et toujours dans un contexte où on souhaite contrôler l'urbanisation, on souhaite limiter l'étalement urbain qui est déjà en voie d'émergence de manière assez nette. On voudra constituer des réseaux d'espaces verts, on voudra optimiser la présence de résidus de campagne, de résidus de boisés un peu partout sur l'île pour créer des espaces qui sont interconnectés entre eux. Les déficits d'espaces verts sont extrêmement importants à l'époque et en 1955, donc quelques années plus tard, on va se pencher sur le dossier des espaces verts, mais à ce moment-là, on est vraiment en mode fonctionnaliste. La préoccupation, c'est l'utilisation des terrains à des fins de loisirs qu'on décline en terrain de baseball, en aire de jeu pour les jeunes enfants, en espace vert intercalé entre les plateaux sportifs. Donc, c'est vraiment une approche qui reprend en quelque sorte les principes de l'urbanisme fonctionnaliste, de l'urbanisme de ségrégation des usages dans l'espace qui est promu. Quelques années plus tard, considérant notamment la poursuite de l'étalement urbain, considérant la difficulté de contrôler la déferlante suburbaine dans la région métropolitaine de Montréal, les gens de service d'urbanisme de la ville se voient confier le mandat d'élaborer ce qu'on appellera le projet Montréal Horizon 2000, c'est-à-dire d'essayer, à partir du milieu des années 60, d'anticiper ce que pourrait devenir la région métropolitaine en 1967, c'est-à-dire en 2000, à partir de 1967. Et donc, parmi les préoccupations qui vont motiver les scénarios qui sont élaborés par les gens du service d'urbanisme, il y aura la volonté de préserver les espaces naturels existants. Plusieurs commencent à être mis sous pression, donc on voudrait les préserver, et donner un accès maximal, optimal aux ressources que renferme la région métropolitaine, que renferme le cœur de l'archipel d'Hochelaga. C'est aussi le moment où on va créer les grands parcs nationaux, où on va créer le parc Paul Sauvé, le parc du Mont-Saint-Bruno et le parc des îles de Boucherville. En fait, la création de ces parcs-là va prendre quelques années, mais l'idée même qu'on puisse réserver des espaces de grande superficie qui présentent des attributs très particuliers par rapport à cette idée de nature. Donc, ces espaces-là vont être ciblés dès le milieu des années 60 et on va voir notamment des organismes divers s'intéresser à cette question-là et réclamer, notamment dans le cas des îles de Boucherville, qu'on mette fin à cette idée que ces espaces puissent être transformés en un espace d'urbanisation. Et donc, on soutient que ces ressources sont tout à fait exceptionnelles et devraient être réservées au bénéfice de l'ensemble de la collectivité. C'est aussi ce qui va mener à la création des parcs de la communauté urbaine de Montréal, qui est probablement le plus important de la communauté urbaine de Montréal, c'est-à-dire la réservation de ces espaces, dont certains étaient associés notamment au mouvement des gentleman farmers du 19e siècle, donc des gens qui s'installaient à la campagne, qui préservaient un certain nombre d'attributs d'une campagne périurbaine à leur profit. Et comme ces territoires avaient été mis en réserve de l'urbanisation, bien, ils étaient encore disponibles dans les années, fin des années 60, début 70. Et donc, la communauté urbaine pourra éventuellement acquérir ces propriétés-là et en faire des grands parcs métropolitains.
Dans le cas de l'île de la Visitation, le scénario n'est pas tout à fait le même. En fait, c'est un espace qui avait été acquis par la Montreal Light Heat Power pour permettre la construction de la centrale hydroélectrique de Rivière-des-Prairies. L'espace avait été préservé par la Montreal Light Heat Power, donc Hydro-Québec en est devenu propriétaire avec la nationalisation, et ce territoire avait été un peu laissé à lui-même, donc une nature qui s'est régénérée de manière assez spontanée, et ça a été une autre occasion pour la communauté urbaine d'ajouter au parc à l'ensemble du réseau des espaces verts métropolitains. Dans les années 80, on assiste aussi à l'élaboration du projet Archipel, qui est un projet extrêmement ambitieux, qui cherchait à déployer une vision très intégrée de la mise en valeur des espaces ressources de l'archipel, et notamment des espaces bleus, qu'on considérait non pas seulement comme une ressource, mais qu'on considérait dorénavant comme un territoire, comme un espace au sens propre du terme, et donc un espace qui devait être cadré, qui devait être géré par les mécanismes d'urbanisation. Donc il s'agissait d'optimiser l'appropriation de tous les espaces déjà protégés et des espaces qui mériteraient d'être protégés, notamment pour favoriser un accès, une appropriation collective de la ressource bleue, des espaces bleus de la région. Malheureusement, le projet va être plombé par des tensions entre les différentes parties prenantes et par l'idée de construire une centrale hydroélectrique associée au rapide de la Chine. Et à ce moment-là, le projet va migrer vers un autre concept qui est le parc national de l'archipel, c'est-à-dire un parc qui est constitué d'un ensemble d'entités plus ou moins fortement intégrées et qui constituerait l'assise du rapport à la nature dans l'ensemble de la région métropolitaine de Montréal. La ville de Montréal avait par ailleurs, en 1955, proposé un renouvellement du cadre de référence pour les espaces verts. Ce que la ville de Montréal fait à ce moment-là par rapport à ce qui avait été fait en 1944, c'est de rompre avec l'approche ségrégationniste, avec l'approche bêtement fonctionnaliste, pour avoir une approche beaucoup plus globale de ce qu'étaient les milieux, de ce qu'étaient les espaces verts. On introduit l'idée de réseau, ou en fait on réintroduit l'idée de réseau, et on va également se montrer intéressé par l'ensemble des espaces susceptibles d'être partie prenante de ces réseaux-là. Donc, aussi bien les ruelles que les parcs existants, que les boisés résiduels qui pouvaient exister un peu partout sur le territoire. Donc, c'est vraiment proposé une vision très, très intégrée de tout ça. En 2011, finalement, la communauté métropolitaine de Montréal va proposer le concept d'une trame verte et bleue. Donc, il s'agit de reprendre où on avait laissé dans les moments où on s'était intéressé à une mise en œuvre d'un concept de réseau, donc de reprendre sur cette base-là et d'identifier l'ensemble des territoires, aussi bien les espaces bleus que les espaces verts, y compris les espaces agricoles, qui pourraient être mis à contribution pour arriver notamment à la préservation d'un pourcentage important d'espaces naturels, d'espaces à caractère naturel, évidemment dans bien des cas ce sont des espaces qui sont plus aménagés que naturels, mais de permettre d'intégrer tout ça. Cette perspective, elle est renouvelée par ailleurs depuis quelques années par les enjeux de maîtrise de ces espaces-là. Il est clair qu'on ne peut pas envisager des stratégies, par exemple, équivalentes à celles de la communauté urbaine qui a acheté les terrains qui vont être transformés en parcs métropolitains. Donc, il faut qu'il y ait des stratégies de partenariat, des stratégies d'usage multiple des territoires, d'usage qui sont compatibles entre eux, non exclusifs. Mais c'est aussi la question de l'équité. On se rend bien compte quand on examine la mosaïque des espaces verts, des espaces naturels ou des espaces à caractère naturel dans la région, que tous les voisinages ne sont pas traités équitablement. Il y a des espaces qui sont bien servis, il y a des espaces où la proportion de territoires protégés est très importante, alors que d'autres, ce que nous a montré la pandémie notamment, sont particulièrement mal desservis. Donc il s'agit de revoir le concept à la lumière justement de cette répartition très inégale sur le territoire pour essayer justement de rattraper ou de se mettre en mode rattrapage pour les espaces qui sont plus vulnérables, les espaces qui sont plus marginalisés. Ça pose évidemment tout ça le problème des terrains de golf.
On en parle abondamment depuis quelques années, de plus en plus depuis quelques mois, parce qu'on se rend compte que ces terrains ont une valeur environnementale, une valeur à caractère naturel extrêmement importante. Ce qu'il faut rappeler, évidemment, c'est que la dispersion des terrains de golf, ce n'est pas inédit. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Beaucoup de terrains de golf sont disparus au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, parce que le golf est un type d'activité qui, en raison des superficies qui sont en jeu, a tendance à reculer au fur et à mesure où l'urbanisation se déploie. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on laisse tout simplement l'urbanisation gruger, approprier les terrains de golf, ou est-ce que dans certains cas, ces terrains étant une ressource rare, parce que dans certains milieux, il reste très peu d'espace de cette nature-là, voire il n'en reste pas du tout à l'extérieur du terrain de golf. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'empêcher l'urbanisation, la transformation par la construction de projets immobiliers de ces terrains-là pour en faire une contribution importante, significative à la construction de ces réseaux verts à l'échelle métropolitaine. Et par ailleurs, évidemment, il est difficile de ne pas terminer ce panorama en examinant brièvement la question des milieux sensibles, parce que là aussi, il y a un enjeu de premier plan. À l'échelle métropolitaine, ces milieux sont sous pression, sont de plus en plus sous pression au fur et à mesure où on resserre les périmètres d'urbanisation. Les promoteurs les convoitent. Pour beaucoup de promoteurs, ce sont des occasions, comme les terrains de golf, des occasions extrêmement précieuses qu'il ne faut pas laisser passer. Et donc, il y a une pression très, très forte et malheureusement, quand on regarde ce qui se passe du côté du gouvernement du Québec, il ne semble pas qu'il y ait de grandes intentions de résister à ces pressions. Les mécanismes de compensation qu'on a établis au vu des ratés que connaît ce programme, manifestement, c'est beaucoup plus inscrit dans la logique de permis de destruction qu'on accorde aux promoteurs sous motif d'une compensation financière que d'une véritable stratégie d'insertion des milieux sensibles, des milieux humides dans la trame verte et bleue, donc de leur mise à contribution dans l'organisation d'un véritable réseau d'espaces verts, d'un véritable réseau de propositions d'un rapport à la nature spécifique caractéristique de ce qu'est une grande organisation métropolitaine comme la région de Montréal. Merci.